Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucie, bienvenue pour un nouveau fan game. Et oui, ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu pour ce format de vidéo qui vous présente des hacks, des roms qui sont faits par des fans qui sont intéressantes, du moins pour moi, c'est-à-dire outre les milliards de roms hack Pokémon. Et ici, nous en avons un qui date de 2019, donc un petit peu vieux, je suis passé à côté, puisqu'il s'agit d'un remake, d'un fin de remake, comme vous voyez, sous Unity de Illusion of Gaia, ou Illusion of Time, ça dépend comment vous le prononcez, un jeu de Super NES. J'ai très peu joué la version Super NES, du coup, on va découvrir cette version-là. Sachant que là, je joue sur manette parce que j'ai réussi à peu près à la configurer. La version Unity a quelques petits légers problèmes, mais pas trop graves. On va continuer la journée, à savoir que c'est une partie qui est préinstallée dans le dossier. Je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux avec mon anglais, qui est existant. Là, on est au début du jeu, il n'y a normalement aucun spoil. Le petit cochon qui amène une lettre à notre héros. Wink wink, exactement. Je me demande si c'est le cochon de Kara. Oh, quelle chance, il y a une lettre et une clé. La lettre est lue. Désolé de devoir que tu sois en prison, c'est terrible ce que papa a fait, mais tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Je suis prisonnier aussi dans une prison de soie et d'or, et j'ai pas le temps de lire. Libère-toi, libère-moi, on sera ainsi libéré. Kara. Vous avez une clé. Une clé qui fait ma taille. Dès que la clé de la prison est mise, la porte est ouverte. Et donc nous y voici. Alors que je me souvienne, en haut à gauche vous avez la vie, en haut à droite vous avez, si je dis pas de bêtises, la magie, mais j'ai un énorme doute. Le 3, je ne sais plus ce que c'est, et le 1, c'est... soit c'est de la monnaie, soit c'est de l'XP. En appuyant sur... Alors, il faut que je me souvienne. Ouais. Voilà, en appuyant sur B, vous avez la pause avec tout ce que vous pouvez faire pour le moment, savoir attaquer, faire une course, ou bien la psychokimétrique. Donc, il faut que je m'en souvienne. Donc, ça, c'est pour attaquer. La psychokimétrie, c'est... C'est pas cette touche, c'est nulle part, donc ouais, c'est plus recommandé de jouer avec la... Avec le clavier. Ce que je vais pas tarder à faire, en fait, je pense. La porte qui permet de s'en aller dans un monde astral et de sauvegarder, ainsi que de se soigner. On dirait que tu es blessé, ferme tes petits yeux. Je vais jouer avec... Je joue au clavier au final, je vous l'avoue. Et maintenant, pars. Ok, madame. Donc, je remets un petit coup de pause pour me souvenir. Contrôle et Alt, ok. Donc, contrôle, c'est ça, et Alt, ça fait ceci. Et pour du Unity, c'est très bien. Ça va nous suffire. Je ne sais pas combien de temps dure la démo, vu que je ne l'ai pas faite en entier. Mais je suis très curieux. Ah oui, c'est vrai que courir et attaquer, ça fait un petit dash. Un petit peu d'attaque pour parce que j'ai monté mon XP. Vous voyez que j'ai perdu un petit peu de vie. On peut, alors je crois, je suis pas sûr, mais on peut tourner la caméra. Ça va dépendre de où on est, à moins que je dise une énorme bêtise. Non, j'ai dit une énorme bêtise, mais il me semblait qu'on pouvait tourner la caméra. J'avais réussi. Bref, on va continuer. J'en profite aussi parce qu'il y a très peu d'annonces qui ont été faites, très peu d'avancements qui ont été annoncés sur le jeu. Le dernier avancement, c'est un post qui date d'il y a 2019. Et plus rien après, donc il est fort possible que Nintendo ait dit MDR, notre jeu, bah tu le gardes. Enfin, on le garde pour nous et tu y touches plus. J'espère que c'est pas ça parce que
pour de l'Unity, on fait quand même des très belles choses sur Unity, hein, sachez-le. Eh ben, moi j'aime beaucoup et c'est pas mal. Alors par contre, la course est un petit peu aléatoire. C'est très particulier. Alors le chemin contre lui. Oula. Oula, 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 oula. J'ai bientôt plus de vie. Ouais, la course est vraiment très très aléatoire. C'est très étrange. C'est très étrange. Ah, c'est parce que... Ah, ok, je vois, il y a un petit temps de latence. Ok, je vois. Il y a un petit temps de latence entre la fin de l'animation. C'est pour ça. Donc en fait, je perds ma vie parce que le jeu est un petit peu perplexe. Je peux peut-être mourir sur la démo. Hein. C'est pas... Ce sera pas bien grave, écoutez. Mais bon, j'aimerais éviter, si possible. Sinon, je ferai tout le chemin en arrière pour aller me remettre de la vie. Ah, plus de strength, par contre. Ah oui, c'est très bizarre cette course. Ça s'active si on fait une direction puis une autre direction pendant l'animation de la première. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très très étrange. Ça me rend un peu perplexe cette façon. Mais pourquoi pas, écoutez. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Peut-être que vous l'avez fait dans votre coin quand vous l'avez découvert. D'ailleurs, j'en profite. Hein, parce que bon. C'est quand même fou la vie. Actuellement, sur Twitch, quand vous verrez cette vidéo, j'ai commencé Illusion of Time sur Super NES. Du coup, je vous invite à venir un petit peu sur Twitch. Et aussi que la vidéo que vous voyez là sera la dernière avant les congés. Et quand j'y doute, parce que oui, je prends une petite pause, j'en profite, la vie me le permet, mon taf me le permet, alors je ne crache pas dessus. Je sais que j'ai pas été très présent ces derniers temps pour plein de choses, notamment parce que j'ai déménagé et que la vie a changé et que les responsabilités aussi, et c'est pas une excuse, et j'ai eu... plein de petits problèmes avec le PC, notamment petits problèmes de Windows, petits problèmes de mémoire, etc. etc. Normalement, j'ai tout résolu, ça devrait aller mieux. À partir de là, je ne sais pas ce qui nous attend, vu que j'ai arrêté la démo ici. Ok. Ah, est-ce que je peux les attirer? Semble-t-il que non. Ah si, je peux les attirer. C'est très bizarre parce que je peux les attirer, mais il faut que je sois relativement près. Ouais, c'est... Là, vous voyez, je suis assez près, donc ça, par contre, si je me mets assez loin, passe pas. Ok, pas mal. Ah, il y a un squelette. Ah, c'est les points de vie de l'ennemi en haut à droite, d'accord. C'est moi qui dis des bêtises, très bien. Ok, non mais c'est bien, je me... Oula. Oula, les pics, ouais, les pics. Ah, les pics, j'aime pas ça. Ça, je peux pas y accéder. Je peux pas l'avoir, cet ennemi. Hop là. Hop, premier coup. Ok. Pour le moment ça va. À part ce petit problème de course, le jeu est oula, enchaînement. Ouais, faire attention. Ah, puis il y a des pics en secours. Hop là. Vas-y, suis-moi. Tu peux me suivre dans les escaliers, toi? Non. Hop, et voilà. Ça c'est quoi? Oh, ouais, ok.
Il y a quoi en haut? Ça me fait un peu peur, cette histoire. En haut, il y a pas grand-chose. C'est une zone qui n'est pas encore faite. Donc, du coup, let's go en bas. Pour le chemin. Ah, de l'XP. Je suppose que c'est de l'XP, ça. Ok, et maintenant, est-ce qu'il faut que je passe, que je tire, que je pousse, que je fasse quoi? Est-ce qu'il faut que je... Ah, oh, oh, d'accord. Très bien. Ah, c'était un chemin bonus. Ok, très bien. Non, mais c'est intelligent, j'aime beaucoup. Voilà, toi, tu dégages. Toi... Allez, encore. Ah, en bas. Disparition de l'ennemi. Why not? Je veux pas spammer les attaques. Un peu dommage. Oh là là. Ah oui, donc là c'est la course. Ok. C'était la course. Très bien. Par contre, il faut que je me mette droit. Voilà. Là, je monte. Ah, j'aime pas ça. Ah, je déteste ça. Je déteste ces... Ok. Ça ne fait que tourner. Ça ne fait que tourner. Ça ne fait... Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Il y avait un piège et je me le suis pris. Très bien. Ça sentait le piège. Oh, ouais. Alors, ok. Si c'est juste des petites chauves-souris comme ça, ça me convient. Deux coups d'épée. Is ok. Ah, plus grosse. Un peu plus grosse, mais aussi bête que les autres. Ok, pas mal. Cinématique. Oh! Bravo, tu as fini cette démo. Et ben, c'était une petite démo. C'était une expérience très courte, en effet. Si tu aimais le jeu, let me know avec les commandes. Et bien sûr, la page itch.io. Et il y a une chaîne YouTube. Et bien, je vais découvrir ça. Très bien. Et n'oubliez pas de jouer aux autres jeux sur itch.io et Android. Évidemment, tous les jeux seront en description, enfin du moins la page pour ce jeu. Merci à vous et à plus tard. Et bah très bien. Et bah écoutez, c'était une petite démo, une petite vidéo certes, mais je vous le dis, c'est vraiment très intéressant. On va, je vais en profiter, on va visiter par exemple la chaîne YouTube, voir ce qui se dit. Qu'avons-nous ici? Oula, oula, oulala. Alors, pas des bonnes nouvelles en effet. On a la démo qui est juste là. Et après, on n'a plus rien jusqu'à un jeu bizarre. Et des vidéos il y a 8 mois. N'est pas un jeu par profit, d'accord. Trié par plus récent. Et. Du coup, eh ben écoutez, on va se laisser sur cette belle image. Tout sera en description, évidemment, la page itch.io. Voilà, on va finir là-dessus. La page itch.io, etc. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, vu qu'elle fait quoi, à peine 15 minutes. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci, des bisous. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, venez sur Twitch aussi de temps en temps. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour une autre vidéo.